Et nous, on fait pas les vœux. Mais tu veux dire quoi? Bonne année et bonne santé. Oui, bah comme tout le monde en fait. C'est la coutume. Ouais, mais on va cultiver notre originalité. Et en français? Développer notre propre savoir-vivre. Bah oui, c'est tout de suite plus clair. On a qu'à donner ça à Mariam. Non, parce que j'ai un petit problème au niveau de ma voix. Bah elle est bien là. Oui, mais non, parce que j'ai un petit problème. De toute façon, la question se pose pas, on fait pas les vœux. Bah c'est dommage, hein. Bon, après, j'ai bien le faire. Non, Axel, ça va aller. Mais Maëva, t'avais promis. Je peux poser une question. Ça concerne tout le groupe ou ça concerne que toi? Bah, tout le monde. Vas-y, pose-la. On va garder tout le monde. Alors, avec Anaïs, c'est très, très ambiance prise de tête. Avec moi, j'aimerais qu'on se détende un peu. Dit-elle en étant tendue. Je suis parfaitement détendue. Zen. Par contre, moi, je préfère quand c'est toi, Ambre, qui est présidente. Merci, Axel. Et vous? Bah, je vois pas trop la différence, en fait. On peut être franche? Bah, pas trop, mais vas-y. Bah, je trouve que c'est un peu vieux, comme gestion. Un peu vintage. Bon, Mariam, je peux changer ton rôle? Faudra trouver plus belle. Carrément. L'égérie de cartoon. Ambre, on peut être franche? Pas trop. Qui a choisi léger truc là? Bah moi. J'aurais pu le faire. Non non mais Christina, on parle sérieusement là. Mais moi aussi. C'est pas une super bonne idée ton truc là. Ouais ouais. Voilà pour eux, ça manque de garçons. Ça manque de garçons. Bah depuis tout à l'heure là, c'est un poulailler quoi. Un poulailler il a dit. Sous-entendu on est des poules quoi, c'est ça? Eh bah c'est bien, elle a compris. Attention que les poules se transforment pas en coqs. Ça veut dire quoi, ça? Bah, que nous aussi, on peut devenir méchantes, quoi. Arrête l'humour, Nina. Alors, Axel, tu vas t'excuser, mais tout de suite. Je m'excuse, chef. Par contre, t'as ce petit ton-là avec moi? Oui, chef. Arrête. Il te manque de respect. Hein. Enfin, les poules, donc il parle à vous aussi? Oui, sauf que toi, t'es la chef des poules. Vous pouvez pas vous défendre toute seule? Moi, je peux. Fais très attention, Axel. Ah, c'est violent, ça, hein. Encore une parole déplacée, et c'est moi qui me déplace. Ah, parole déplacée. Hein. Ok. Tu vas aller le voir? Ils sont déjà à la puissance de mon regard. T'es sûre? Baisse les yeux. Elle va se déplacer. Qu'elle essaye. Ah oui, c'est plus du gabarit de Nina, Maëva. Ok. Je vais être obligée de me mettre en colère. Bon, la garderie, là, c'est fini? C'est pas moi, c'est Lola. Oui, bon, c'est bon. Mais c'est elle qui a commencé. Bon, punition tous les deux. Ok, Maya, une retenue. Mais non. Deux. Bien fait. Eh ben tu vas l'accompagner. Mais non, j'ai rien fait. Retenu. Il a jeté ses clés. Bon, vous avez 5 ans ou... Non, mais il a jeté ses clés. Eh ben tu vas accompagner Christina. Mais je peux changer de groupe? Non, pour l'instant on reste comme ça. J'en ai marre. Pardon Nina. Nina, tu me regardes s'il te plaît. Non. Non. Bon, Nina, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Nina, pour la dernière fois. Bon, baisse les yeux quand je te parle. Tu vas te faire tuer. Nina, baisse les yeux. Alors, écoute-moi bien. Bon, tu peux me regarder? Bah, faut savoir. Elle a dit faut savoir. Merci, Mariam. Lola, elle a son téléphone. Non. T'as ton téléphone? Bah non. Sous sa cuisse, gauche. Faut qu'elle se lève. Je sais ce que j'ai à faire. Bah lève-toi. Bon, Christina, lève-toi. J'ai pas fait exprès. Trois fois. Retenue.
Et Mariam aussi d'ailleurs. J'ai dénoncé moi. Ouais, mais justement, t'as dénoncé. En bref, tout le monde est puni quoi. Voilà, sauf moi.